C'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV Plus Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'entrer dans les détails de nos informations, suivons d'abord nos titres. Deux élus, 9 éléments des forces de l'ordre et 5 civils impliqués directement dans des kidnappings qui ont eu lieu dans le district d'Ankasbé ont été arrêtés selon le rapport de la gendarmerie nationale ce jour. Les investigations et enquêtes qui ont été entreprises ont permis de révéler qu'ils figurent parmi les principaux fournisseurs d'armes et d'équipements utilisés par les bandits pendant leur forfait. Le renforcement de la coopération dans le secteur agricole, particulièrement le développement du riz hybride, a été au cœur des échanges entre le président Jazuel et l'envoyé spécial à Madagascar du président chinois Xi Jinping, dépêché spécialement dans la Grande Île pour l'investiture du chef de l'État malagasy. Un accord relatif à ce projet ayant déjà été conclu, cette rencontre permettra sans conteste l'accélération de sa concrétisation, nous rapporte la présidence. Ce jour marque la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024 pour certaines écoles privées. Chaque établissement a marqué la fin de ce premier trimestre de manière différente. Certaines écoles ont opté pour des célébrations festives à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, tandis que d'autres ont choisi de faire passer des examens oraux à leurs élèves en application du nouveau programme visant l'amélioration des capacités de communication des élèves. En 2023, Madagascar était classé avant-dernier pays au classement de l'indice mondial de la faim. 15% des bénéficiaires d'aide sociale doivent être issus des familles les plus vulnérables. Tel est le défi que s'était lancé le ministère de la Population sociale pour cette année 2023, un objectif qui a été atteint pour cette année. Comme annoncé dans les titres, 2 élus, 9 éléments des forces de l'ordre et 5 civils impliqués directement dans des kidnappings qui ont eu lieu dans le district d'Ankasbé ont été arrêtés selon le rapport de la gendarmerie nationale. Ce jour, les investigations et enquêtes qui ont été entreprises ont permis de révéler qu'ils figurent parmi les principaux fournisseurs d'armes et d'équipements utilisés par les bandits pendant leur forfait. Les principaux cerveaux des actes de kidnapping dans le district d'Ankasbé ont tous déjà été identifiés et leur traque est en cours. Selon toujours, les explications actuellement de personnes sont encore aux mains des ravisseurs, tandis que 6 autres ont été libérés. Reportage. Une opération militaire a été lancée à Ankasbé depuis le 4 décembre dernier face à la recrudescence de l'insécurité dans la localité, notamment les cas de kidnapping. Bilan, sur les 8 personnes victimes de kidnapping, seules 2 d'entre elles sont encore aux mains des ravisseurs, selon les explications. En effet, les interventions étaient multipliées afin de démanteler les réseaux de kidnappeurs écumant le district d'Ankasbé. Ainsi, les actions entreprises ont permis l'obtention de résultats palpables. Les forces de l'ordre ont pu saisir 64 munitions utilisées par les ravisseurs pendant les attaques. Les principaux fournisseurs de ces munitions, comme des armes utilisées, sont des éléments des forces de l'ordre, explique le colonel Taïn Aravilmanan. 9 éléments des forces de l'ordre impliqués dans ces affaires ont donc fait l'objet d'arrestations. À part cela, 2 élus et 5 civils ont été arrêtés, tous membres du réseau de kidnappeurs. Ces derniers ont soit fourni des matériels et des équipements aux malfaiteurs, soit participé aux actes de kidnapping. Ils sont prévus être déférés ce jour à Ankasbé. D'après toujours les explications, les principaux cerveaux de ces actes de kidnapping ont tous été identifiés suite aux investigations et enquêtes qui ont été menées et parmi les différentes arrestations entreprises jusqu'à présent. Leur recherche est déjà en cours, selon le commandant du groupement de la gendarmerie d'Analamang. Des pistes ont été repérées, d'après toujours ce dernier. La sécurité dans le district d'Ankasbé est déjà rétablie actuellement.
Toutefois, les forces de l'ordre restent sur place et ceci jusqu'à ce que les deux personnes encore aux mains de leurs ravisseurs soient libérées. Sur les 6 personnes victimes de kidnapping libérées jusqu'à présent, 2 étaient libérées après le paiement de rançon, tandis que les 4 autres l'ont été grâce aux pressions exercées par les forces de l'ordre, les responsables locaux et le Fouknoul. La gendarmerie nationale ne cesse d'en appeler à la collaboration de la population, notamment en matière d'échange d'informations, leur permettant d'intervenir à temps et pour de meilleurs résultats en termes de lutte contre l'insécurité. Le renforcement de la coopération dans le secteur agricole, particulièrement le développement du riz hybride, a été au cœur des échanges entre le président Jadwil et l'envoyé spécial à Madagascar du président chinois Xi Jinping en la personne du vice-président du Parti communiste du peuple chinois, dépêché spécialement de la Grande Île pour l'investiture du chef de l'État malagasy. Un accord relatif à ce projet ayant été déjà conclu, cette rencontre permettra sans conteste l'accélération de sa concrétisation, nous rapporte la présidence. Reportage de Fitia Vanadoni sur les images Tivrasat. Une rencontre bilatérale a également eu lieu entre le président réélu Anjazwil et le vice-président du Parti communiste du peuple chinois, dépêché spécialement par le président Xi Jinping à Madagascar à l'occasion de l'investiture de Anjazwil. Cette réunion a marqué un tournant décisif dans les relations sino-malagasy, ouvrant la voie à une coopération renforcée et durable. Conscient de l'importance que revêt l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire pour la population malagasy, le renforcement de la coopération dans le secteur agricole, particulièrement le développement du riz hybride, a été au cœur des échanges. Un accord relatif à ce projet a déjà été signé entre Madagascar et la Chine et cette rencontre permettra assurément l'accélération de sa concrétisation. En outre, une action particulière a été portée sur l'industrialisation, un domaine où la Chine, déjà bien avancée en la matière, a promis son soutien. Ce partenariat vise la modernisation des infrastructures industrielles du pays, favorisant ainsi la croissance économique et la création d'emplois. Le vice-président chinois a exprimé un désir profond de renforcer la coopération bilatérale, non seulement en accélérant la réalisation des projets en cours, mais aussi et surtout en étudiant les nouveaux projets de ce second mandat. L'objectif est donc d'assurer une relation constante et pérenne pour les années à venir et de faire aussi de Madagascar un modèle de développement en Afrique. Cette vision partagée ouvre un nouveau chapitre prometteur pour les relations entre la Chine et Madagascar. Le président Anjazwil a exprimé sa gratitude pour cette collaboration fructueuse, affirmant que ce partenariat stratégique contribuera de manière significative au développement et à la prospérité de Madagascar. Dans le domaine de l'éducation, ce jour marque la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Pour certaines écoles privées, chaque établissement a marqué la fin de ce premier trimestre de manière différente. Certaines écoles ont opté pour des célébrations festives à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, tandis que d'autres ont choisi de faire passer des examens oraux à leurs élèves en application du nouveau programme visant l'amélioration des capacités de communication des élèves. Environ 30% du programme scolaire a pu être achevé au cours de ces 3 premiers mois. Les élèves ont été évalués à partir de cette partie du programme déjà traitée. Jomia Manan et Fechandia Mananzal étaient à la source pour le reportage qui suit. À noter que les écoles en sont actuellement au deuxième bimestre de l'année scolaire 2023-2024 et c'est la clôture du premier trimestre de la dite année scolaire. Les vacances de Noël débuteront le 22 décembre 2023, conformément au calendrier publié par le ministère de l'Éducation nationale. Bien que chaque école ait son propre programme, toutes les écoles privées ont donc choisi de clôturer le premier trimestre ce mercredi 20 décembre 2023. Chacune a adopté une approche unique, certaines concluant ce premier trimestre par un examen oral, une réforme du programme visant à développer les compétences en communication des élèves qui ont été évaluées dans toutes les matières. I'm so proud to have my family and what make my family special is that we are very talkative. D'autres établissements, ayant bouclé les examens la semaine précédente, ont préféré organiser des célébrations festives pour marquer la fin du premier trimestre de l'année 2023. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour les enfants. C'est vrai que
C'est vrai que nous, c'est un plaisir pour les parents de voir leurs enfants évoluer comme ça. Mais la première chose, c'est vraiment les enfants, c'est leur joie. Parce que vous savez, la fête de Noël, c'est la fête des enfants. Et donc, c'est pour les enfants aussi. Et c'est surtout pour leur scène. Je reparle encore des enfants de TPS et PS, puisque c'est leur première scène, c'est leur façon à eux de se montrer devant un public comme ça, devant les gens comme ça. Et donc, voilà, c'est la raison, c'est les enfants. Pour motiver les enfants à retourner à l'école lors de la rentrée, au début du deuxième trimestre ou du troisième bimestre de 2024, la municipalité d'Alassour a offert son soutien aux établissements scolaires publics de la commune d'Alassour pour qu'ils puissent offrir des cadeaux à leurs écoliers à l'approche de la fête de Noël. Ainsi, aujourd'hui, les élèves de 12 écoles primaires publiques dans la commune d'Alassour ont bénéficié de ces cadeaux. En 2023, Madagascar était classé avant-dernier pays au classement de l'indice mondial de la faim. 15% des bénéficiaires d'aide sociale doivent être issus des familles les plus vulnérables. Tel est le défi que s'était lancé le ministère de la Protection sociale pour cette année 2023. Un objectif qui a été atteint. Le prochain défi pour la période 2024 à 2030 sera la réduction de la pauvreté extrême, notamment par le secteur. Par la promotion du secteur agricole. Précision recueillie par Santa Chalante Niginienne. Les défis en matière de protection sociale ont été relevés pour cette année 2023, a déclaré le directeur général chargé de la protection sociale au sein du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme lors d'une réunion visant à établir une nouvelle stratégie de protection sociale pour la période 2024. À 2030. Si les projets pour la période 2015 à 2023 étaient axés sur le renforcement de la protection sociale dans toute la grande île, celles pour la période 2024 à 2030 seront orientées vers l'éradication de la pauvreté extrême et de l'insécurité alimentaire. D'après le président de la République, les projets présidentiels dans les 5 années à venir se focaliseront sur la promotion du volet social de la population, le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, en collaboration avec ses partenaires financiers, dont la Banque mondiale, avait organisé hier un atelier lors duquel a été établie la nouvelle stratégie de protection sociale pour la période de 2024 à 2030. L'objectif étant d'effectuer des évaluations en vue de la mise à jour de la stratégie de protection sociale pour pouvoir faire face aux défis posés par le gouvernement. Le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme est ainsi prêt à relever le défi de sortir Madagascar de son actuel classement de 124e sur 125 pays en termes de classement de l'indice mondial de la faim. Et dans les actualités internationales, direction le Moyen-Orient, dans le cadre de la guerre entre le Hamas et l'État hébreu, le chef du mouvement palestinien Hamas doit se rendre ce mercredi en Égypte pour parler d'une trêve dans le conflit avec Israël à Gaza, une question sur laquelle a discuté âprement mardi le Conseil de sécurité de l'ONU, où un vote a été de nouveau reporté sur le terrain des frappants de nouveau visé Rafah et Younes dans le sud ainsi que le centre de Gaza. Les détails sur France 24. Lampe torche en main, ses habitants recherchent des survivants. Khan Younes, ville où de nombreux Gazaouis avaient trouvé refuge, à nouveau cible de bombardement. On était tranquillement assis dans la maison quand soudain toutes les fenêtres de nos voisins ont explosé. On est sortis en courant et on a vu des restes de corps. Ici exactement, on a vu le corps d'un enfant coupé en deux. Frappe meurtrière également à Rafah, tout au sud, et à Deir el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza, où les victimes sont transportées d'urgence à l'hôpital. L'État hébreu prévient, les opérations pourraient durer des mois, notamment dans la plus grande ville du sud. À
Nous renforçons nos forces dans les zones stratégiques de Khan Younes pour démanteler le Hamas et nous continuerons à le faire avec détermination partout où cela sera nécessaire. Tel est l'objectif de la guerre, il est nécessaire de démanteler le Hamas et cela prendra le temps qu'il faudra. Démanteler le Hamas et ses symboles, comme cette statue démolie lundi dans la ville de Gaza par l'armée israélienne. Les appels internationaux à un cessez-le-feu sont de plus en plus nombreux et pressants. Le président israélien se dit prêt à envisager une pause dans les combats, mais seulement en échange de la libération d'otages. Le chef du bureau politique du Hamas est attendu ce mercredi en Égypte pour discuter d'une trêve et d'un éventuel échange de prisonniers. Et c'est avec ce reportage que nous clôturons cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se donne rendez-vous dans le journal en version malagasy à 19h30. Je vous dis à tout de suite alors.